Voilà. Maintenant, vous pouvez visiter le jardin à votre guise. Je voulais vous dire, je suis pas un menteur, hein. Il fallait tenir cette histoire secrète, vous comprenez? Pour la bonne réputation de l'université. J'ai des patrons, et il faut que je fasse avec. Je comprends. Rassurez-vous. Merci à vous, mademoiselle. Impossible de l'atteindre. Mademoiselle, mademoiselle, excusez-moi. Oui. Je voudrais m'excuser à propos de notre petite embrouille. Alors, je vous ai apporté cette bouteille de vin, du Sauvignon de Barockstadt. Un millésime exceptionnel. Vous m'en direz des nouvelles. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Allez, bonne chance pour votre voyage, mademoiselle. Merci.
truc est coincé. Monsieur, excusez-moi de vous déranger à nouveau, mais j'ai un petit problème. Un petit problème. Tout le monde a un petit problème. Ça se garde pour soi, et ça n'empêche pas le monde de tourner. Ni les trains d'avancer. Messieurs, j'ai réussi à réparer le kiosque à musique de votre université. Le kiosque fonctionne à nouveau? Ceci est positivement merveilleux. Nous vous sommes très reconnaissants, vraiment. Oui, vraiment. Nous garderons un souvenir charmé de votre passage, croyez-le bien. Soyons à notre tour respectueux de notre accord. De combien avez-vous besoin, mademoiselle? De 100 dollars, si ce n'est pas trop vous demander. Nous vous les accordons, mademoiselle. Vous voilà donc maintenant en mesure de repartir avec votre train. Et d'ailleurs, quand repartez-vous? Oui, maintenant il faut rapidement dégager votre train de notre gare. Nous causons, mais c'est l'heure du thé. Déjà? Mon Dieu, comme le temps passe vite. Nous avons été positivement charmés de votre visite, mademoiselle. Je vous remercie infiniment, messieurs.